Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Me dis pas que tu crois à leur connerie de superstition, quand même. Ah non, 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 non. Mais je suis bien content d'être le deuxième. Alors, pour l'épouser, ma sœur et moi, on a un plan. Tu te démerdes, mais tu rentres à Paris mariée et divorcée. Alors, tu trouves le premier crétin venu, et puis tu le rentres dedans. Tu viens de rompre avec mon copain. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que je suis seule. De toute façon, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah non. Vous me mettez le doute, là. Jean-Yves, venez voir. Alors ? Oui, ça va. Je suis Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là ? Oui. Putain, tu l'as fait ! Oh, ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. Je meurs de faim. Je vous laisse l'œil, là, de chèvre. Pas de chichi entre nous, allez. Alors ? C'est un malade. Ça c'est rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois. T'as pas eu peur, toi? Ah non, je te jure. Faut y aller, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je casse tout, je suis vraiment invivable. Ah, c'est amusant. Isa, qu'est-ce que t'as foutu avec le shampoing, la puce? Merci. Je lui fais les pires horreurs. Et lui, il me regarde avec ses yeux de labrador. Comment j'ai pu croire qu'une fille comme elle s'intéresserait à un type comme moi? Tu aurais été un petit peu con. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le mariage qui te stresse, c'est normal. Ça va aller.